Merci de recevoir mes salutations. AgroEco responsable. La terre ne trompe pas, c'est vrai, on ne touche pas avec elle. Ravi une fois de plus, vous venez de me servir dans cette petite capsule où, chers agriculteurs, nous allons parler d'une astuce très importante à faire lorsque vous voulez acquérir la terre dans une localité, dans un village. En fait, bref, si vous voulez acheter vos terres et que vous êtes véhiculé chez l'agripreneur, il est important de ne pas arriver sur le site ou bien dans le village, ou bien chez le vendeur avec le véhicule. Comme par exemple, vous voyez derrière moi, on avait un véhicule, on est venu acquérir l'espace, mais on a garé bien loin du domicile des vendeurs ou du village où on va acquérir l'espace. Ceci pourquoi chez l'agripreneur, c'est pour éviter le fait que lorsqu'on verra le véhicule, ça pourrait impacter sur le prix d'achat. C'est vrai, nous sommes en Afrique, et même pas seulement en Afrique, partout ailleurs. Les gens se fient par rapport parfois à ce qu'on voit comme matériel. Et puis, une fois on voit un véhicule comme celui-ci, ça va impacter sur le prix, ce qui fait que le prix va pouvoir augmenter. Alors que lorsque vous mettez le véhicule loin de l'endroit où vous partez, ou bien loin des propriétaires, ils ne voient pas le véhicule, le prix, vous allez le pouvoir sur les vendeurs. Et à ce moment, lorsque vous allez à négocier, qui voit le véhicule après, il n'y a plus d'impact. Donc, c'est ce petit conseil, cette petite astuce qui tenait à partager avec vous, que si vous voulez aller acheter des terres quelque part et que vous avez véhiculé, essayez vraiment de mettre le véhicule très loin pour que les vendeurs ne voient pas votre véhicule, car ça pourrait influencer sur le prix. À ce moment, après avoir fait les achats, vous pouvez maintenant vous présenter tel que vous êtes avec ce que vous avez comme matériel. Espérons que vous allez mettre cela en pratique pour que cela puisse vous être utile et vous permettre de faire une bonne négociation et vraiment parvenir à un achat vraiment efficace et efficient. Disons à très bientôt chez l'agripreneur pour un sujet encore plus intéressant et encore plus alléchant. Vive l'agriculture africaine, vive l'agrofricanisme. C'était comme ça pour vous, le chantina agrofricain, comme toujours, pour vous servir avec beaucoup de plaisir et beaucoup de bonheur. À très bientôt. Bye bye.